Salut à tous, c'est un détail, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu YouTuber's Life 2. On va continuer notre petite aventure, notre petit let's play. Sisaboul nous dit que les messages InstaLife parlent d'un jeu appelé Cyberware, mais je ne trouve aucune correspondance dans les dernières sorties. Nous devrions voir Blair. Tu utilises un ordinateur, un grippin pour monter tes vidéos? Mais ça va les gars, j'ai pas de bateau, c'était pas tranquille. Par contre mes abonnés sont vraiment pas heureux. On va essayer de leur prendre des petites photos Insta. Hop. En mode, hey, je suis content, il pleut, c'est génial. Je vais mettre là. Pluie, c'est trop cool, les frères. Voilà. On publie. Et regardez ça. Alors ouais, mon compte Instagram, faut pas regarder. Le compte InstaLife, faut pas regarder. J'ai mis que des trucs de débiles. J'ai vraiment fait gros kéké. Il est moche, mais si je veux le ticket gratuit, je vais prendre je vais le prendre en photo. Oui, parce qu'il y avait un événement. Fallait prendre les 3 personnes de la Joy-Con à travers la ville en photo. Et vous aviez le ticket gratuit. Le problème, c'est qu'à chaque jour, donc faut faire ça dans la même journée. Et le pépin, pour être honnête, c'est que... Comment on pourrait dire? C'est qu'il se déplace, il change d'endroit chaque jour. Donc c'est le bordel, hein, pour être honnête. Ah, j'ai envie d'y être. Mon compte Instagram, c'est énorme. Ouais, je trouvais que c'était marrant. Vous devriez le rendre visite. Ben, je sais pas où il est, moi, PewDiePie, t'es bien gentil. Oh my god, t'as pas encore essayé Cyberware, ce meilleur jeu? Là, je laisse. Envoie-moi un message et teste-le. Si tu... Ok. Ah, Blair. Je sais Cyberware, c'est ça? Bon, on le vend pas ici. YouTube est infesté par des vidéos promotionnelles et les gens ne cessent de venir s'informer à son sujet. Les développeurs du jeu doivent le vendre ailleurs. J'ai bien peur que tu vas chercher autre part. S'il vend pas dans ton... Ah, pst, regardez, le type aux lunettes de soleil et son costume a l'air suspect. Pourquoi ne pas lui parler? Ok. Je sais déjà pourquoi tu viens. Cyberware, tu ne peux plus attendre, hein. Ok, du calme. Je suis vendeur, mais si tu veux en avoir plus sur le jeu le plus cool depuis l'âge de l'œuf, tu devras te prendre au port et chercher un de mes collègues. On ne peut pas parler ici, faut être discret. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Allez, go. Je t'accompagne. Génial, trouve mon collègue dans une ruelle du port. Ok, faut qu'on aille dans le port. Eh ben, let's go. Let's go, let's go, let's go. Je veux absolument en savoir plus sur ce jeu. C'est une quête qui nous est donnée. Et je veux qu'on y arrive. Je veux absolument voir, ça m'intrigue. Donc, on va enquêter là-dessus, sur un jeu mystère. Qui se vend pas... qui se vend pas... Ouais, c'est bizarre, ça. Il se vend pas en... Bon, c'est un jeu mystérieux qui est très étrange. Parce qu'il se vend pas dans un magasin de jeux vidéo. Donc on dirait je pas. Faut que je trouve un gars habillé en costume et en lunettes de soleil qui flotte. En gros faut que je trouve un... Ok je vois. Pas de soucis mon pote. Je vais vous proposer une petite ellipse de temps de faire ma recherche. Et je vous dis à tout de suite. Bah écoutez je crois que j'ai trouvé. Le voilà. Ouah je vois l'angoisse sur ton visage. Du calme. Dès que tu auras découvert Cyberware tu iras mieux. Tu sais de quoi il s'agit? Bien sûr. Oui je vais gagner avec ton pognon. Carrément. Avec ce jeu, tu pourras faire des vidéos en direct et elles seront incroyables. Il te suffira de cligner des yeux pour faire des milliers de vues. Les joueurs sont fous de ce jeu et personne ne veut le rater. Tu voudras y jouer? Oui. Par contre, Cyberware, condition, ce n'est pas n'importe qui peut y jouer. C'est un jeu spécial pour les youtubeurs spéciaux. Seuls les meilleurs peuvent y jouer. Tu manques de pratique, mais tu as du talent, je vais donner un indice. On m'a dit que pendant quelques jours, il y a un youtubeur star du centre-ville, du genre pro. Si tu arrives à le convaincre de se porter garant pour toi, je te donnerai une copie du jeu. Ok, faut que je sois un youtubeur pro maintenant. Dans le centre-ville. Donc déjà c'est plutôt cool parce que concrètement on a un... Bah ça serait bien Inox Tag, non? Parce qu'en vrai Inox Tag il est connu. Après il est pas connu pour son niveau de gamer de ouf, non? Je crois que ça doit être ça je suppose. On va voir. Bon bah écoutez pareil, petite ellipse, attends que je trouve le fameux youtubeur en question. Ah bah voilà j'ai pas traîné. Oh mais c'est PewDiePie. Bah bien sûr c'est bon je l'ai trouvé. Oh my god il est là, c'est PewDiePie et son petit chien Maya. Y a-t-il quelqu'un de mieux pour se porter garant votre talent? Se porter garant pourquoi? Un type très suspect offrait des copies de Cyberware ce matin, les gens en s'en foutent et ça devient mauvais. Il t'a proposé une copie aussi? Oui, mais j'ai besoin de l'aide d'une superstar. Allez, go! J'ai une idée. Prends une photo dédicacée de moi, comme ça il verra qu'on se connaît et te permettra d'avoir le jeu. Ton drone me fera savoir quand tu l'auras. On ira chez toi pour enregistrer une vidéo ensemble et découvrir ce que Cyberware cache. Oh mon dieu, une vidéo avec PewDiePie! C'est obligatoire! Maya me guidera se cacher toi, elle a un odorat incroyable. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bonne idée. Viens chez moi pour enregistrer une vidéo. Non, peut-être une autre fois. Ouais, bonne idée. Allez, génial. Va chercher un jeu alors. Je t'attendrai. Bah, faut que je prenne. Oh, j'ai déjà la photo dédicacée. C'est bon, il est là. C'est abusé. Non, mais avec ça, ils vont prendre pour. Mais les gars, je suis désolé, mais j'ai été obligé de les mettre. Ça, on fait la quête de PewDiePie. Alors là, la fois dernière, c'était Inox Tag. Là maintenant, c'est PewDiePie. Vous allez forcément me prendre pour un gros putaclic avec le titre, quoi. Qui vous allez me dire, ouais, mais PewDiePie. Pour faire des vues, etc. Mais même pas, c'est le problème. Vous allez me prendre pour un gros putaclic. Ah, j'aime pas ça. Ça va être énorme. Bah écoute, faut qu'on le retrouve déjà. Je crois qu'il était tout au bout à gauche, hein, si je me trompe pas. Voilà, on remonte un peu. Et il était là-bas, voilà, parfait. Et sortir la photo dédicacée.
Parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Et voilà, mon pote. Waouh, qu'est-ce que tu as là? Une photo du PewDiePie lui-même. Ça, c'est un vrai gagnant. Enfin, garant plutôt, mais c'est un vrai gagnant aussi. Tu m'as des sièges de voilà, copie. Waouh, à la recherche d'un youtubeur. Ah, il m'a laissé la photo. Bon, bah super, regardez, je marche avec. J'ai une photo de PewDiePie. J'ai une photo de PewDiePie. Ok, bon, bah je vais retourner chez moi. On se dépêche. Et puis PewDiePie m'attendra chez moi. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais il m'attendra vraiment chez moi. C'est incroyable. Ce jeu est juste incroyable. Je taffe des barres avec ce jeu, c'est insane. Ok, bon, on rentre, on se dépêche vite. Là, PewDiePie qui nous attend. Faut qu'on fasse des millions de vues. Tout ça, je suis persuadé que c'est. Enfin, c'est pas persuadé, c'est. Je sais que c'est scripté dans le but de nous faire la masse de vues pour pouvoir être là, la Joy-Con. Oh my god, tu vas jouer? Je me demande ce que nous allons découvrir en jouant. Enregistrons cette vidéo. Ouais, ça, d'ailleurs, ça joue sur quoi? Stockage. Super, j'ai la bonne console. On y va. Attends, je vais prendre une photo avec lui. Attends. Je vais faire genre. Petite photo? Oh non, je peux pas prendre des photos Insta. Ah, ils ont Keblo. Dommage. Alors, on enregistre une vidéo. Bah oui, bah alors, où est mon drone? Où est mon drone? C'est vrai ça, où est mon drone? Allez au AirTech. AirTech, c'est là, vite, on se dépêche. On a déjà perdu 1h15 là. Où est mon drone? Ah, il est mort. Je vois, votre drone n'était pas prêt pour se mouiller. Ah, allez à l'atelier, aux ateliers Hydron et achetez la fonction d'étanchéité. Ah oh bah ouais, mais t'es marrant toi, il pleut, c'est pas ma faute, on m'a demandé de sortir. Bah, fonction d'étanchéité, ok, on va l'acheter. Voilà, c'est bon. On va lui parler. Génial, désormais votre drone pour enregistrer des vidéos sous la pluie et la neige. La fonction d'étanchéité est la meilleure du marché. Elle protège votre drone même sous la pluie acide. Ok, je pense qu'elle va attendre dehors, non? Ah, mon drone est là, super. Ok, bah on se dépêche de rentrer. Ok, donc c'est pas je peux pas prendre de photos. C'est que mon drone était complètement capoute à cause de la flotte. Ok. Bah écoute, on se dépêche parce qu'il est déjà 18h30. Et le temps de rentrer, etc. Il va être bien au moins 19h30, je pense, par là. Je vais faire genre, le mec, je le connais pas. Je vais prendre une photo avec PewDiePie. Et je vais mettre genre, c'est qui ce type? Pourquoi il est chez moi? C'est le plus gros youtubeur du monde, mais c'est pas grave. Hop là, PewDiePie. Ouais, genre, on est frérot. Attendez, je vais m'immortaliser. Je vais faire le débile. Pourquoi il fait comme moi? Moi. On publie. Ah ouais. Et on a 15 000 j'aime grâce à PewDiePie. Les abonnés sont un petit peu plus contents. Ils font toujours un peu la gueule, mais ils sont contents quand même. On va enregistrer une vidéo sur ce jeu-là. Un gameplay niveau 2, je suis pas assez bon pour l'instant, mais c'est pas grave. T'es censé être derrière moi, PewDiePie, là, tu fais quoi? Je suis tout seul, mec. Bon, on va entrer plein d'énergie. Ok. On va passer. Serveur à planter. Comme ça, je pense. On se dépêche. Oh oh. Ça la fout mal. Bah écoute, on va augmenter ça. Voilà, au moins ça fera 1 sur 5, c'est déjà ça. 2 sur 5, waouh, pire tournage du monde. Pire tournage ever. J'ai l'impression que j'ai pas le level pour ce genre de truc. Ce jeu est ennuyeux à mourir, c'est la bombe dont tout le monde parle, il est tellement court, il n'y a rien à faire. Oh, attends, tu as reçu ton message, un message étrange sur InstaLife. C'est très louche, PewDiePie, il est un as de la vidéo et tu sauras ce que nous devons faire. Ok, bah écoute, tu as déjà enregistré une vidéo, je ne t'ai pas dit ce qui est plus intéressant dans tout ça. Si tu envoies un message à tous tes contacts faisant l'éloge de ce jeu, nous te rendons de non 100 pièces. Ok, c'est une arnaque. C'est quand même une arnaque. T'as l'air d'avoir plein de questions, balance, comment puis-je t'aider? Ils donneront 100 pièces si on les spam. Non, mais faire genre, je le savais. Ils veulent promouvoir un produit nul en utilisant des youtubeurs qui acceptent des petits pots de vin. Tu dois entrer dans le fil des messages pour que, avec ton talent de youtubeur, tu puisses vivre l'arnaque. Premièrement, nous devons attraper ce vendeur, où qu'il soit. Tu sais où le chercher? Probablement dans le quartier du centre-ville. Waouh, ça c'est intuition. Maya l'a pisté, il est bien là-bas. Waouh, on va attraper cet escroc, tu verras. Je vais d'abord aller chercher Maya, mais je te verrai là-bas. Ok, bon bah on retourne près du magasin de gamer, il était là-bas. C'est... Ouais, par contre, il est déjà 21h quasiment. Oh, c'est chaud, hein. Il est plus là. Merde, il est plus là. Oh là là, la panique à bord. Ouais, ok. Bah écoutez, petite ellipse, c'est temps que je trouve, hein. Je vais courir partout comme un dératé pour essayer de trouver. Écoutez, Cyberware est une pizza coupée en quart. J'adore la pizza, Gigi. Alors, deux parts pour moi. C'est trop de pizza, vous ne pensez pas, je fais tout le sale boulot. Ah, donc Gigi trempe dedans. Non, Gigi, s'il te plaît. C'est comme ça qu'on travaille pour Gigi Macarone. Ouais, pour moi, quand t'as dit son nom, c'est toujours comme ça. Bon, deux parts de Cyberware pour toi, alors. Oh mon dieu.
Hey, tu es venu! Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Maya a trouvé le vendeur et regarde, nous l'avons pris en flagrant délit à faire du business avec JJ Macaroni. Enregistrons une vidéo pour dénoncer l'escroquerie en direct. Ça se voit quand même si j'enregistre là en vrai. Un gros plan, regardez comment je suis saoulé. Ah, c'est en live! Ah, c'est en live là, c'est en live, d'accord, ok, faut que je me chauffe, faut que je me chauffe. J'ai pas beaucoup d'énergie en plus. Ok, faut que je me chauffe. Attendez, je vais me concentrer un peu, désolé si je parle moins. Tac, 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 tac. Tac, 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 encore. Encore, encore, encore. Allez, perds pas d'énergie. Tout ça va me faire du bien à ma chaîne, les gars. Tout ça fait du bien à ma chaîne. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Encore. Oh, ça passe trop bien, ça se passe trop, trop, trop bien. Encore, encore, encore. Allez, on voit la sauce. Oh, c'est bon déjà, je sais pas combien de spectateurs. Oh, on a fait le max! On est au max, on a une super vidéo là par contre pour le coup. Hein. Bon, je suis un tout petit peu claqué, mais ça c'est pas grave, ça arrive. Ils m'ont pris la main dans le sac, au moins j'ai d'autres pizzas à manger. Ah bah, DJ Macaloney, elle a vite abandonné. Hein. Zut, vous avez raison de votre escroquerie quand j'étais sur le point de partir avec l'argent. Grâce à toi et à ce maudit chien. Vous avez ruiné Cyberware, mon Cyberware. Le plan réussi, tu vas regarder ta chaîne? Il y a un raz-de-marée de message te remerciant d'avoir révélé l'arnaque, tu es une star. Merci de ne pas escroquer tes abonnés pour plus d'argent. Bah, t'inquiète, hein, jamais je ferai ça à mes abonnés. Manquerait plus que ça. Vraiment. quand on a un youtubeur et que tant de gens regardent nos vidéos, il faut se conscient d'un pourcent des choses que l'on dit et fait. Exactement, je suis bien d'accord. Je savais que je pouvais te faire confiance pour ce problème. Je dois partir maintenant, mais une surprise t'attend chez toi. Eh bah écoute, pas de problème, mon frangin. On est potes avec, notre ami, comment il s'appelle PewDiePie maintenant? Wouah, quelle belle aventure nous avons vécue ensemble. Nous avons démasqué un sombre réseau d'escroquerie. C'était épique. Grâce à toi, YouTube City est une ville encore plus juste. Nous ne t'oublierons jamais. Tes amis, PewDiePie et Maya. Ah, je sais, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Attends, je vais la placer dans la maison. Je vais faire vraiment le gros fanboy qui a tous les objets de tous les YouTubeurs du monde. Toi, on va la placer dans la maison. Je vais la mettre. Est-ce que je peux la poser sur mon bureau? Je vais la mettre sur ma table de chevet. Genre comme ça, PewDiePie sera toujours avec moi. Je peux pas, dommage. On a maintenant un nouveau poster, on va le mettre juste ici. On peut pas? On ne peut pas. Ok, bah c'est pas grave, on va le mettre au-dessus du lit comme un gros fanboy. Un gros fanboy, on place ça au-dessus du lit. Oh, PewDiePie, je rêve de toi. Nabila, Bila. Voilà, c'est bon, on est refait. Et dire que j'étais à deux doigts d'acheter le jeu. Et si DJ Macaron a été dans le coup, je suis sûr que c'était une arnaque de taille galactique bien joué indé. Ouais, je sais, frérot, je sais, je sais, je sais, qu'est-ce que je te dis. Je vais sans doute essayer de manger un truc. Ouais, on va manger un truc. Est-ce que je peux faire un peu de montage? IRL avec PewDiePie, bah direct, je vais la balancer, ça va faire des vues à mort. Pendant que l'événement est frais. Hop là, on publie la vidéo, là ils vont être contents, ils vont être refait les types. Je vais pas me servir de PewDiePie pour faire des vues. Avec Gigi Macaroni! On va être directement Gigi Macaroni, je suis sûr que ça va faire des vues. La vieille miniature qui était toute pétée. Oh, 540 pouces bleus! Enfin, pouces verts! Oh, ça fait grave plaise. Ça fait grave plaise. Ok, donc nos abonnés ont l'air un petit peu plus heureux de nous voir. C'est déjà un bon point. Cette vidéo-là, je vais la tèche. Je vais la tèche parce qu'elle est vraiment trop mauvaise. Je la dégage. C'est vraiment trop mauvais. Et on est bon. Donc, on a déjà 776 pièces d'or, ce qui est quand même pas dégueu. Aujourd'hui, le contenu vlog est plus que meilleur. Ok. Est-ce que j'irais pas faire un vlog sous la plage, sous la flotte? Quelles sont les tendances? Le centre-ville est tendance, ok, et les vlogs aussi. Ok, bah écoute, je vais faire un vlog quelque part dans le centre, hein, y a pas de raison que ça n'aille pas, j'ai envie de te dire. Alors ça fait quoi si on peint nous aussi? Ça sera une pomme de terre. Je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert. Un papillon, voilà, ça sera un papillon. Un papillon, avec des antennes, voilà, des petites antennes et des yeux. Tac, tac, avec une petite bouche. Elle est contente. On va mettre des petits traits comme ça pour faire genre c'est un papillon. Et des petits traits genre elle vole. Voilà, je pense que là on a quelque chose de vraiment cool. Waouh, super, j'ai vraiment fait un papillon. C'est horrible. Il est même plus scoré, j'ai envie de te dire, mais c'est pas grave. Oh, Maya est là. Mais t'es pas tendance, casse-toi. Moi je suis là seulement s'il y a des tendances. Centre, voilà, ok, on y va. Je vais défoncer le restaurant, genre comme s'il servait des trucs dégueulasses et tout, alors qu'elle était super sympa avec moi. On a plein d'énergie. Là, faut qu'on fasse
Une belle vidéo là, ok. Voilà. Pas mal, 3 sur 5 déjà, on est refait les gars, on est refait les frères. On pense que c'est une bonne info qu'on leur donne. On leur donne une bonne info. On va se déconnecter. Ah dommage, presque, 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 presque. C'est pas grave. 3 sur 5 c'est déjà pas mal. On sauvegarde, je vais acheter à mort à bouffer. J'ai pas mal de thunes, je voudrais vraiment faire un effort. Je voudrais voir ce que ça donne. C'est d'augmenter notre énergie, je pense, principale. Je vais acheter ça, 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 ça. J'ai claqué tout le pognon au repas. C'est incroyable. Mais en tout cas, je vais te dire un truc. Je pense sincèrement que le magasin, s'il tourne, c'est grâce à moi. Franchement, je crois que si le magasin tourne, c'est uniquement même grâce à moi, je crois. Par contre, ça m'a coûté cher. Même très cher, mais je sais pas, je le sens bien quand même. J'ai vraiment l'impression que ça va se faire. Que tiens, alors de triomphe, pas à rec. Non, 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 je vais directement me rendre là-bas, ouais. On va se rendre à la salle de sport. Et je pense qu'on va augmenter notre énergie de base. Parce que c'est vrai qu'on est relativement à court. Mais vraiment, même très vite. C'est abusé. On est quasiment tout le temps à court. Dès que tu fais un truc, t'es là en mode, oh, j'ai plus d'énergie. Heureusement, je fais pas qu'une seule vidéo à la journée quand j'ai du temps libre. Ok, on y va. Allez, encore, 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 encore. Désolé. Vous allez entendre la touche espace. C'est bon, encore? Je peux? Ok, je vais manger un peu. Ouais. Clara, faut que je vienne te parler parce que je crois que tu me kiffes pas mal, Clara. Je dois me rappeler de récupérer un collier à la poste. Je suis désolé, je réfléchis à votre. Ok. Donc je pense que clairement, t'es en train de m'indiquer. Oh, attends! Qu'est-ce qui se passe? Clara? Quelle journée ce type Mousse? Ou Tubercio, quel que soit son nom. Veut que je le reprenne la box et n'arrête pas de commenter ma fanpage. C'est bien de savoir que j'ai encore des fans, mais je suis pas encore prête à combattre de nouveau. J'aimerais qu'il arrête de m'embêter. Ok, bah fais ma confiance, hein, pas de problème frérot. J'ai trouvé moi ton bonhomme là. Le mec te fera toujours part de ses réflexions les plus profondes. Pourquoi je cours sur place? Voilà. Comme ça nos abonnés seront contents d'avoir des nouvelles de nous. Et je pense qu'ils vont être refaits avec ça. Ok, donc son fan, c'est Mousse. Ou Mousse. Va falloir qu'on fasse quelque chose pour elle. Hein. Va falloir qu'on fasse quelque chose pour elle. Hein. Au Elite Fitness Club. Ok. Donc il est au Elite Fitness Club. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'est le Boxing Gym. Où est le Elite Fitness Club? Maison. Voilà la maison déjà, parce qu'il est bientôt 22h. Et concrètement... alors, je sais pas si ma barre d'énergie a vraiment augmenté, mais bon. Concrètement, je pense qu'on a des vidéos à faire, là, pour le coup. On a vraiment des vidéos à faire. On y va. Est-ce que je peux manger un truc? On va manger un peu. Voilà, on va tourner une vidéo. Sur ce jeu-là, ouais, c'était très bien. Ah, niveau 2, le gameplay. Je peux pas en avoir un niveau 1. Eh merde. Parce que j'ai pas le niveau pour du gameplay niveau 1. Par contre, ils sont encore très contents avec ce jeu-là, donc tant mieux. On va saluer la chaîne. On va saluer la chaîne. Ok. Eh ben écoute, vas-y, go. Fais-toi plaisir. C'est pas grave, c'est un effet négatif. De toute façon, j'avais rien mis là-dedans. On va augmenter comme ça, peut-être. Oh non, j'ai pas eu assez. Abusé. Comme ça, go. Ça en fera déjà un. Oh non, j'ai rien. Ah si, toi. Ok, bah super. On a 2 sur 5. Tu m'étonnes que les abonnés aiment pas, mais j'ai pas un gameplay niveau 1 à balancer. Parce que j'ai pas le gameplay niveau 2. Enfin, j'ai pas le niveau pour gameplay niveau 2. Et c'est un peu relou. Vlog, j'avais un vlog, ouais, on va monter le vlog. Tac. Donc tac, tac, tac. Non, comme ça du coup, ouais, ça fera un truc comme ça. Donc attends. Plutôt comme ça. Comme ça, comme ça. C'est très mauvais, mais c'est pas grave. Des flammes. Tac, on publie. On y va, on envoie. Donc là, besoin, bah, faut que je trouve des élites, machin. Ouh, c'est pas mal, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Ils sont plutôt contents, même, j'ai l'impression. Ah, ils sont heureux, c'est grave cool. Bah, on se repose. Et je pense que là, par contre, cette fois, c'est la bonne. On va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous encourage à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.